These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. You can have it for saving my life. You think he's a keeper? Oh my god. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Help me! Tout le monde est là. Pas de bobo. On s'en est bien sorti. T'y es pas allé un peu fort, là? J'ai suivi les plans de la bombe à la lettre. Je pense que c'est dû aux émanations de Mako. J'ai peur que la ville aussi ait subi des dégâts. Malheureusement, faut ce qu'il faut. C'est pour la planète. J'espère que ça la soulage. Oh, ça, j'en suis convaincue. Allez, sortons d'ici. On est bien au secteur 8? Presque, c'est un peu plus loin. Wedge, tu vas passer devant. Entendu. Il y a plein de câbles sectionnés. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Final Fantasy VII Remake sur PlayStation 4. Édité et développé par Square Enix et CyberConnect 2, sorti officiel le 10 avril 2020. Et Peggy nous le déconseille au moins de 12 ans. J'ai décidé directement de record le passage qui suit la démo. Vu que pas mal de gens ont pu faire la démo, il était inutile que je vous présente quelque chose de déjà vu. Autant vous montrer quelque chose de nouveau et de concret. Pour ceux qui n'ont pas eu l'immense chance de connaître la saga Final Fantasy assez tôt pour pouvoir se plonger dans Final Fantasy VII sorti en 1997, laissez-moi vous faire un rapide topo de ce FF7 Remake qui, je vous le rappelle, est un format épisodique. La totalité du jeu n'est pas dans la version sortie le 10 avril. Elle va se stopper, bon, à vrai dire inutile que je vous le dise, c'est un format épisodique, donc dites-vous que le jeu n'est pas au complet. Vous incarnez Clad, et oui, je dis bien Clad, désolé les puristes, mais appelez un personnage Cloud, Claude, Cloud, comme vous voulez. Moi, j'ai joué à FF7 97, il s'appelait Clad, et pour moi, ça reste Clad. Vous incarnez donc un ex-membre du Soldat. Il s'agit d'une unité de combattants surentraînés, dirigée et commandée par une grande entreprise mondiale qui s'appelle la Shinra. Elle-même tueuse de la planète, car dans la Terre où nous vivons, dans Final Fantasy, oui, je fais une brève parenthèse, mais tous les FF, de 1 à 15, sans parler des opus entre les différentes consoles et même du WoW-like FF14, il n'y a pas vraiment de suite entre chaque FF. Le seul fil rouge est le cristal que l'on peut voir sous différents aspects dans tous les Final Fantasy et qui a un but précis et différent en fonction de chaque volet de la saga. Revenons donc à FF7. Cette fameuse entreprise qu'est la Shinra draine l'énergie vitale de la planète. Cette énergie s'appelle la Mako. Et à force de la drainer, la planète se meurt. Clad devient, par la suite de certains événements, un ex-membre du Soldat et combattra l'entreprise qui l'avait recruté et fait de lui un combattant hors pair. Ainsi, comme vous le voyez actuellement, il fait donc partie d'un groupe d'éco-terroristes appelé Avalanche, et suite à ce qui s'est passé dans la démo, vous faites exploser l'un des réacteurs de la Shinra pour envoyer une sorte de message, et ainsi montrer aux grands et puissants riches citoyens qui ferment les yeux sur l'état de la planète que ce n'est pas la bonne méthode, la bonne façon de procéder. Gros point positif du jeu, son ambiance, ses graphismes, dignes de jeux de 2020, et
L'AVF, oui, je suis un grand fan de voxographie et pour moi le doublage est très réussi de cet opus. Je vous laisse en profiter. Vos craintes, vos doutes, vos petits soucis, sans oublier votre récompense. Tout ça, c'est ma responsabilité. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comme on a prévu. On prend nos jambes à notre cou. Ça fait quand même du bien d'avoir une petite séance de gameplay où est-ce qu'on est un petit peu plus libre sur la direction et éviter les catacombes, le tunnel dans lequel on était. On se sentait un peu oppressé. Le groupe actuel Avalanche vient de faire péter ce réacteur et maintenant nous devons donc fuir. Nous voyons par conséquent l'explosion, les conséquences et les retombées que nos actes, que notre éco-acte a causé. Malheureusement, on s'est un petit peu trop lâché et il y a eu quelques gros dégâts. La personne qui est en train de me parler s'appelle Jess. Je suis en compagnie de Barrett, le chef d'Avalanche, Big Wage, que vous avez dû sûrement entendre dans d'autres Final Fantasy. Ces noms tels que Sid sont assez récurrents et même appartiennent à tous les volets de la saga. Là, elle me donne une materia. Dans ce monde, dans FF7, la magie n'est pas présente comme dans d'autres tels que FF10, FF9, FF14. Dites-vous que là, pour utiliser la magie, il nous faut des objets. Ces objets, ce sont des materia. Les materia, Clad va les mettre dans les chasses vides de son épée que l'on voit dans le dos. Je vais passer d'une pierre verte à deux. Et je vais pouvoir donc faire maintenant l'attaque feu, qui est sa materia de base, ainsi que le soin que Jess vient de me donner. Ça me permettra d'éviter de claquer des potions et plutôt de partir sur mes points de magie. Points de magie qui seront affichés en bas à droite. Sur la gauche de l'écran, vous voyez divers dialogues qui s'effectuent entre les PNJ quand vous êtes de passage à proximité. Le même système de dialogue qui a été développé dans FF15. Si nous devons parler des similarités qu'il y a entre FF7 et 15, bien entendu, premièrement, si vous avez fait FF15, c'est son gameplay qu'il a réussi à démocratiser, tant bien que mal. Mais FF15, on va surtout le retenir pour le lore et le scénar exceptionnel que nous a offert Square Enix. On ne peut pas cracher dessus, même si c'est le premier FF, où est-ce que l'on quitte vraiment cet aspect de tour par tour, même si le tour par tour a été, pas négligé, mais a eu une sorte d'évolution à partir de FF10, 10-2, quand les personnages ont commencé à se détacher, n'étant plus fixes, et bouger en temps réel par rapport aux adversaires. Oh là 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 là. Ça par quoi? Ça, je m'y attendais pas à voir Sephiroth aussitôt. Oh, qu'est-ce qu'il est classe! Pour ceux qui ne savent pas, malheur à vous, Sephiroth est encore aujourd'hui nommé plus grand méchant de l'histoire du jeu vidéo. Oh là là. J'avais oublié à quel point il était impressionnant. Clad a des flashs se rappelant de sa ville natale en train de brûler. Sephiroth étant bien sûr l'acteur de ce grand sinistre. C'est d'ailleurs ce jour-là qu'il a vraiment pété un câble et qu'il a commencé à détruire tout sur son passage et à vouloir justement détruire la planète. Si vous voulez vraiment connaître ce passage de la transition de Sephiroth gentil à méchant, je vous conseille un animé, c'est juste un simple épisode que vous pouvez trouver sur internet. Il dure 35-45 minutes, ça s'appelle Final Fantasy The Last Order. Et il est exceptionnel, ça raconte l'histoire de Clad, de Zack, son ami et mentor qui lui donne l'épée qu'il a dans le dos, l'histoire qu'il a avec Tifa dans sa ville natale, et bien entendu la séparation qu'il y a entre Zack et Sephiroth à ce moment-là.
dites-vous qu'en 97, les personnages sont cubiques. C'est que des boîtes qui se déplacent et on n'a pas vraiment la perspective taille-apparence. Et c'est vrai que Sephiroth fait dans les 1,90, me semble, un truc comme ça. Et par rapport à Clad qui est beaucoup plus petit, là on voit vraiment la... Enfin, on voit vraiment que Sephiroth c'est imposant. J'en perds mes mots, désolé. Je m'attendais pas du tout à le voir si tôt dans l'histoire. Et c'est incroyable. Moi qui suis fan de VF, dites-vous qu'il est doublé par l'excellent Bruno Coel. C'est pas toi. Je vous laisse écouter. Tu es mort. Ah bon? C'est même moi qui t'ai tué. Tu penses bien que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Écoute. J'ai un service à te demander. Cet astre est sur le point de s'éteindre. Sans un cri d'agonie, en silence, tout doucement, notre planète adorée va très bientôt disparaître. Pour toujours. Pour information, Bruno Coel, vous avez déjà dû entendre sa voix. Il est la voix de Altaïr dans Assassin's Creed premier du nom ainsi que Desmond, la voix de Nathan Drake dans les Uncharted. Il est aussi la voix dans les véritables, enfin dans les films, non les jeux vidéo, de Johnny Depp ou de Ewan McGregor pour Obi-Wan Kenobi dans Star Wars et bien sûr d'autres films de l'acteur. Et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Si vous vous demandez en version Jap quel est le doubleur qui fait Sephiroth, dites-vous que c'est la même voix de Minato, le père de Naruto. Aide-moi, Cloud. Prête-moi ta force. N'aie crainte, il n'y a rien de plus simple. Pars en courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Tu vas le payer! C'est génial. Je suis tellement fan de ce personnage. C'est mon avatar à côté de mon PlayStation ID. Dans ma chambre d'ado, chez moi, j'ai des posters de lui partout. Je kiffe ce personnage, vous imaginez même pas. Et c'est impressionnant de le voir comme ça. Il est tellement bien fait. J'étais pas autant en kiff que depuis la fois où j'ai pu enfin le contrôler dans... Dans Final Fantasy Dissidia. Incroyable. Bon, on va quand même un petit peu avancer et je vais vous montrer une phase de gameplay. Je vous retrouve de suite. On va pouvoir enfin se bastonner. Bon, j'ai rencontré, pour ceux qui savent, la fameuse vendeuse de fleurs. Mais là, c'est l'heure de la baston. Vous avez la possibilité d'utiliser vos sorts, des compétences prédéfinies en bas à droite une fois qu'une barre bleue s'active. Une compétence peut vous en demander une voire deux en fonction de son efficacité. Et ensuite vous choisissez la personne sur qui effectuer le combo. Vous pouvez passer en attaque soldat, qui sont des attaques beaucoup plus puissantes, beaucoup plus lourdes, ou vos combos normaux. Justement, cette vendeuse de fleurs était partie par là. Et là, je m'adresse à ceux qui connaissent FF7. Il me tarde le moment où est-ce que la vendeuse de fleurs va être face à Sephiroth. On va éviter le spoil, mais vous voyez très bien de quel moment je parle. Oh là là! Je suis encore tout retourné du fait d'avoir vu Sephiroth si tôt. Après cette phase face aux soldats de la Shinra, je pense que je m'arrêterai là. Pourquoi vous allez me dire que je vous en montre peut-être si peu? Je pensais que ça allait la récupérer. Non, il faut faire triangle dessus. Le matériel d'esquive. Offensive, très bien. Oui, bien sûr, vous pouvez récupérer plein de matériel, même pour faire des invocations. Hein. Ifrit, Odin, Shiva, Ramu, tout ça s'obtient avec des matériaux. Je vous ai dit, la magie, ça s'obtient par les petits cailloux de couleur. Mais les invocations, si mes souvenirs sont bons, c'était des matériaux rouges. Donc voilà, je ne vous en montre pas plus parce que, je vous le dis encore une fois, c'est un format épisodique. Je vous en montrerai un petit peu plus après la Shinra. Ça reviendra du spoil et franchement c'est cool de le découvrir par vous-même.
Dites-vous que le jeu, sans vraiment trop tracer, sans vraiment rush, vous prendra 35 heures environ pour être fait. Et si je dois par contre donner un point négatif, c'est l'espace qu'il prend sur le stockage de votre console. Pour ma part, je l'ai pris en dématérialisé. Donc en CD, il doit faire moins forcément, mais en démat, il fait... Ouais, même avec la vaseline, ça passe pas. 90 gigas, un épisode. Ouais, donc même pas FF7 au complet. Je me demande ce que ça fera si je prends le reste en démat. Devoir me brancher un disque dur externe. Vous le voyez, voilà, divers ennemis, des grenadiers, et après des simples soldats à la mitraillette, hein, des combattants avec des armes de pugilat, et des espèces de chiens, vous allez les voir. Mais eux, il faut de suite les mettre en état de choc. Voilà, en état de choc, ils n'esquivent pas, ils prennent beaucoup plus de dégâts, et la plupart de vos coups deviennent des coups critiques, ce qui baisse considérablement leur vie d'une part, mais en même temps, le fait de ne pas être en état de choc pour certains, ça les rend complètement sac à PV, ils sont insensibles à vos attaques, ils sont même pas stun, c'est une horreur. Voilà, toi tu dégages. Aussi. Oh, j'ai pris un coup de LBD-40 dans la gueule, quoi. Oh, l'anti-émeutier a fait son travail, quoi. Quelle horreur. Alors voilà, ça aussi, quand vous êtes perdu, le jeu vous guide. Voilà, parfait. J'avais vu dans une vidéo qu'il fallait aller par là, donc je suis parti à l'opposé, mais quand vous vous éloignez trop de l'endroit où il faut aller, ben le jeu vous l'indique clairement avec la caméra et vous met un petit marqueur bleu. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez pas être perdu. Partez du principe que vous n'allez pas être perdu. Ils me font 2 de dégâts dans l'épée, quoi. Je sais pas dans quel jeu, un 2 de dégâts avec une balle, à quelle heure ça fait si peu de dégâts. Bon, après vous allez me dire, comme c'est un remake, on se retrouve déjà avec un clad au début du jeu qui a plus de 1000 PV, mais bon, je connais aucun FF, si ce n'est le début de FF4 quand on incarne Cécile et Kane quand ils sont au maximum de leur capacité, juste avant de revenir au niveau 0 du jeu pour le commencer. Mais là, avoir un héros avec 1000 de vie déjà, c'est cadeau. Après, vous allez me dire, avec un gameplay à la FF15, il était normal qu'il ait un minimum un stack de vie pour pouvoir faire quelque chose d'assez potable et de combattre les adversaires. Une fois que vous allez que vous frappez assez souvent vos adversaires, vous allez pouvoir avoir votre limite. Là, ils appellent ça la transcendance, mais de base, c'était la limite dans FF7, si je me souviens bien. Transcendance, c'est plutôt inspiré de FF14 de mémoire. On n'est pas dans l'overdrive de FF10 ou dans la transe de FF9. C'était couru d'avance. Ni même la limite break pour certains. Et ainsi vous ferez du coup le meilleur coup possible de votre personnage. Il y en a plusieurs bien sûr, mais plus ils monteront de niveau, plus ils pourront débloquer les transcendances les plus létales. A savoir que la première avec laquelle il commence dans ce FF7 remake, ça... Je ne me rappelle plus du nom, mais la façon dont il l'exécute, dans mes souvenirs, ça s'appelait la contre-taillade. Et ce n'était pas la première transcendance de Clad, si mes souvenirs sont bons. Eux, ils vont me faire chier les anti-émeutiers. Si j'ai pas une capacité, ça va pas leur faire mal. Voilà. Ça, je suis sûr qu'il doit y avoir un autre moyen. Je connais pas encore tous les aspects du jeu, mais il doit y avoir une connerie à faire. Je vais tenter autre chose après. Dégage. Oh, je vais essayer de vous prendre tous les deux en même temps. Ah, j'en ai chopé qu'un, forcément. Ça ne marche pas, ce genre de choses. Je crois qu'il a pris un peu les dégâts l'autre. Parce que même en combat soldat, il encaisse vraiment. Je vais essayer le sort-feu. La magie. Peut-être que ça pourrait leur faire mal. Ah, les toutous.
Voilà les chiens affrontés. Oh, ils sont beaucoup plus rapides, bien entendu. Mettez-vous en posture soldat pour les affronter. De toute façon, c'est recommandé pour n'importe quel ennemi pour commencer à négocier. Vous les mettez en état de choc et ensuite vous pouvez repasser avec des combos normaux ou claquer une compétence pour leur faire un petit peu plus mal. Exemple, le 700 et des poussières que ce chien a pris dans la gueule. Oh ben voilà, 563, mais oui, ok, la vulnérabilité, tu la sens bien. Ah oui, clairement, mais c'est parfait, ben voilà, on sait comment négocier l'anti-émeutier. Ça pue. Si vous vous demandez, ceux qui n'ont joué qu'au FF7 PlayStation 1, où est-ce que j'en suis, dites-vous que c'est le moment de transition où Avalanche est parti et que Clad revient dans le train en faisant, vous savez, cette espèce de salto qu'il fait en s'appuyant sur la rambarde supérieure quand ils ouvrent la porte du wagon en marche. Voilà, on en est à ce moment-là avant que je les rejoigne. Ça vous donne une idée sur la chronologie des événements. Ah mais c'est un boss, oui, d'accord. C'est dommage que je n'ai pas de... Enfin, je l'ai vu tout à l'heure que j'avais... J'arrive pas à prononcer le mot transcendance. Pour moi, c'est la limite dans FF7. Donc je vais dire limite. Comme je dis Clad, je vais dire limite. Bref, voilà, j'avais ma limite tout à l'heure. Là, elle est qu'à moitié montée. J'aurais bien voulu la claquer pour vous montrer, mais... Heureusement, si je ne peux le faire, vous taperez Transcendance FF7 sur YouTube, vous trouverez bien. Oh, j'ai chopé les deux d'un coup, c'est parfait. Deuxième brigade de secteur 8, le suspect est piégé. Nous allons le capturer. Eh mais, c'est dépêche là. Ah. Ça, c'est un garde qui a connu l'épée auparavant. Ça doit faire référence à Zack, je suppose. Et voilà, il va revenir dans le wagon où Avalanche l'attendait. Et bien voilà, je vais me stopper ici et ne pas vous en montrer davantage. Désolé, parce que FF7, on le suit surtout pour l'histoire. Je vous paye juste un cadeau du petit salto d'entrée de Clad dans le wagon. Mais sur ce, j'espère que ce test gameplay découvert de FF7 Remake vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde. Et à ciao. Je me suis fait du mauvais sang. Et qu'est-ce que tu foutais au juste, hein? Je suis tombé sur des brigades de sécurité, alors je les ai baladées. Ça m'a permis de les tenir à l'écart de la gare. Trop cool. Alors, tu vois qu'on peut compter sur lui. Oh.